Alors bonjour Stéphanie, merci beaucoup d'avoir accepté de témoigner aujourd'hui avec moi. Alors j'aimerais dans un premier temps, du coup pour le bénéfice de celles qui vont voir ce témoignage, que tu te présentes à elles. Oui, alors je suis Stéphanie, j'habite à Budapest, je n'ai pas d'enfant, j'ai 38 ans et j'ai lancé Expatrielle, qui est le spécialiste de l'expatriation au féminin en Russie, afin d'accompagner les femmes qui vivent et ou travaillent en Russie. D'accord. Alors, j'aimerais savoir en fait dans quelle situation est-ce que tu étais avant qu'on démarre notre accompagnement ensemble. Donc, c'était à peu près il y a 6 mois. Donc, voilà. Dis-nous un petit peu dans quelle situation est-ce que tu étais. Je tournais pas mal en rond depuis à peu près un an. C'est-à-dire que j'avais le concept, je savais que je voulais accompagner les femmes qui étaient expatriées, j'avais le nom, c'est-à-dire qu'Expatrielle existait déjà, mais je dirais au stade embryonnaire. Et puis en fait, je savais que j'avais plein de choses à faire pour lui donner vraiment vie, mais je ne savais pas par où commencer, quoi faire exactement. Donc du coup, je tournais en rond, voilà, je crois que c'est le mot. Et puis un jour, je me suis dit, bon allez, j'appelle Delphine, je lui demande un rendez-vous pour savoir si on peut échanger là-dessus. Et puis du coup, je t'ai contactée. Ok. Et à ce moment-là, quelles étaient tes attentes, en fait, en démarrant le programme avec moi? Je pense qu'il y a eu deux choses. C'est que la première chose, c'est que je t'ai contactée, que spontanément, tu m'as dit, on prend rendez-vous. Et puis du coup, je crois qu'on a eu un rendez-vous un peu. On n'a pas forcément Réseau, fait ouais, une séance c'était pas la séance gratuite. gratuite. C'était un peu bonjour madame, comment est-ce que vous avez fait pour réussir? Donc du coup, on a eu ce premier échange et puis je pense qu'on s'est bien entendu, on parlait le même langage. Donc moi, je me suis sentie à l'aise avec toi. J'ai fait une formation en coaching, j'avais déjà fait un premier coaching, donc la démarche de me faire aider, elle me paraissait assez naturelle. Et puis je crois que je t'ai eu début août avant les vacances, avant que je ne parte en vacances en tout cas. Et du coup, je pense que spontanément, je me suis dit, en fait, Delphine, elle va vraiment m'aider à structurer mon projet, à mettre en place étape par étape ce que je dois faire. Et je sais que je ne le ferai pas seule. Donc mes attentes, c'était vraiment de me faire accompagner, puis d'avoir un guide pour dire, d'abord on commence par faire ça, ensuite on fait ça, petit à petit. Donc je crois que mes attentes, c'était vraiment ça, de me dire, je vais m'autoriser à donner vie à Expatrielle. Et en étant bien accompagnée par quelqu'un qui est expert dans son domaine, donc je ferai pas des erreurs, enfin je ferai sûrement des erreurs aussi, mais je veux dire par là, je vais pas mettre en place des choses qui ne serviront à rien. Voilà. Ouais, d'accord. Et en fait, pourquoi est-ce que tu as choisi de travailler avec moi? Question. Parce qu'on s'est bien entendu, parce qu'on a eu un premier échange qui a vraiment été riche. Je me suis sentie en confiance avec toi, que ensuite tu savais de quoi tu parlais, que tu étais expatriée comme moi, donc je me suis dit que tu allais comprendre aussi mes problématiques et puis que tu allais pouvoir comprendre l'environnement dans lequel j'essayais d'évoluer. Donc c'est ce qui a fait que je t'ai choisie dès le premier rendez-vous en fait, hein. D'accord. Hein? Et alors, une question qui est toujours intéressante. Comment est-ce que tu as fait pour trouver l'argent justement pour ce programme J'ai d'accompagnement? volé la carte bleue de mon mari. Non. Non, en fait, j'ai toujours travaillé en expatriation, même avant d'arriver à Budapest. Et puis, je pense que dans un coin de ma tête, durant mon expatriation en Russie, je me disais qu'à un moment donné, il faudrait que je travaille pour moi. J'avais cette idée d'entreprise quelque part très loin derrière. Et puis, comme j'ai souvent pas mal de projets aussi, à chaque fois que j'ai travaillé, j'avais mis de l'argent de côté. Puis, en fait, j'ai un budget. Et ce budget-là, je me suis dit, il me servira pour monter ma boîte, donc il m'a servi pour payer ma formation. Et puis ensuite, quand je t'ai rencontré, je me suis dit, j'ai le budget, et de toute façon, me former, me faire aider, accompagner, ça fait partie aussi du processus pour créer son entreprise. Donc voilà, j'ai utilisé une partie de ce budget-là pour être sûre que je pouvais lancer correctement Expatrielle. D'accord. Et à l'issue, enfin, pendant l'accompagnement et à l'issue de l'accompagnement, quels ont été les résultats que tu as obtenus? Il y a eu plein de résultats, il y a eu plein de petites victoires en fait. Enfin, je pense que j'ai appris aussi durant cet accompagnement à savourer aussi toutes les avancées. Il y a eu mon site internet.
avec mes forfaits, c'est-à-dire de structurer mon offre, de faire un site à mon image. Il y a eu du coup des rencontres, puisque j'ai rencontré une illustratrice qui a vraiment su donner cette petite touche au site que je souhaitais. Il y a eu le fait de mettre ma photo aussi sur Internet, puisque j'avais tendance à vouloir rester dans ma grotte. Il y a eu ce côté où à un moment je me suis exposée en fait et je me suis dit bah oui, expatriée existe et expatriée c'est moi. Donc il y a eu toutes ces avancées là, il y a eu tous ces résultats là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a un site internet, il y a des forfaits, il y a une page Facebook, il y a des profils, il y a des articles, il y a un blog, il y a des articles qui sont publiés ailleurs, donc aujourd'hui il y a ces résultats là. Ok. Quel a été pour toi le plus grand changement que tu as vécu? Alors c'est difficile pour moi de dire quel a été le plus grand parce que je pense que il y a eu plein de changements. Je dirais que le premier qui m'a vraiment le plus surpris, je crois que c'est le jour où je t'ai dit expatriée en fait ça va être pour les femmes expatriées en Russie. Parce que je crois que ça a été un grand changement pour moi, d'oser affirmer qu'en fait j'avais envie de parler de la Russie et que j'avais pas envie forcément de parler de la Hongrie où je vis aujourd'hui. Et ça a été de se dire, ben oui, la Russie occupe une grande place parce qu'elle a été à l'origine d'un premier grand changement dans ma vie quand j'y suis partie. Et en même temps, aujourd'hui, ce changement, il est complètement différent puisque c'est moi qui l'a choisi et c'est pas elle qui me choisit. Mais c'est moi aujourd'hui qui me dis moi je te choisis et je te mets dans ma vie. Donc pour moi ça a été un grand changement et puis ça a été aussi un changement du coup dans mon couple puisque au départ je suis partie en Russie rejoindre mon conjoint qui est polonais, qui adore la Russie, donc c'était un peu son expatriation et pas forcément la mienne. Et puis d'un coup en fait cette expatriation qui au départ était plutôt la sienne est aussi devenue la mienne et est devenue aussi mon activité professionnelle. Donc ça a été un changement même pour nous puisque l'expatrié a aussi pris sa place dans notre vie à deux. Et qu'en même temps elle a pris sa place assez naturellement dans notre vie à deux aussi. Donc je crois que ça a été le premier changement auquel je m'attendais pas. Et le plus gros changement, je pense que c'est un changement d'état d'esprit, puisque je ne me sentais pas forcément capable de dire des choses sur la Russie, de dire ce que j'en pensais, ce que je ressentais, de m'exposer, peut-être d'y croire aussi ou de me rendre compte que je prends beaucoup de plaisir à le faire, et du coup d'être crédible aussi. Je crois qu'il y a le changement de crédibilité de dire bah oui je suis la spécialiste sur la Russie parce que je sais de quoi je parle et parce qu'en plus j'aime ce dont je parle. Donc je crois que ça a été un grand changement qui a changé plein de choses dans mon environnement aussi puisque du coup en devenant entrepreneur entre guillemets j'ai changé de rythme de vie, j'ai changé certaines relations parce qu'on a d'autres attentes, parce qu'on est dans un autre dynamisme. Mais avec au bout une grande liberté d'être soi en fait. Donc ça a été vraiment ça, je crois, le plus grand changement. Et la question en fait que j'aimerais, c'est en quoi selon toi tu as été une cliente idéale? Je sais que tu l'attendais pas, mais selon moi, parce que je pense que j'ai un parcours. Qui fait que j'ai toujours été active et j'ai toujours, je pense, fait des choix. C'est-à-dire que je suis arrivée en Russie, où on m'a dit tu pourras jamais travailler parce que tu parles russe, et puis j'ai travaillé même sans parler russe au début, parce que je pense que j'ai jamais subi ce que je vivais. C'est-à-dire que j'ai essayé à un moment, même si ça m'a pris du temps, et à Moscou notamment, de me dire cette expatriation je vais aussi en faire la mienne et puis après tout je perds rien à essayer. Donc je pense qu'avec ça, dans le fait que je sois une cliente idéale, c'était de se dire j'ose et puis voilà, et puis on verra, et puis même si s'il y a un échec, même s'il y a quelque chose qui fonctionne pas, dans tous les cas j'en retirerai quelque chose, donc ce sera pas vraiment un échec, voilà. J'aime bien. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes qui hésitent à s'engager dans un accompagnement? De plus hésiter, parce que je pense qu'on perd beaucoup de temps en hésitant,
Même si on les vit toutes à un moment donné, est-ce que je me fais aider ou pas, je crois qu'il n'y a pas de honte aujourd'hui à se faire aider. Puis je pense qu'on réussit pas tout seul. Ça, c'est quelque chose sur lequel j'insiste souvent. Je crois que la réussite, elle est jamais individuelle. Aujourd'hui, si Expatrienne existe et est-ce qu'elle est, c'est pas uniquement grâce à moi. C'est grâce aux gens qui ont cru. C'est grâce aussi aux gens qui n'y ont pas cru et qui m'ont vraiment motivée aussi. C'est grâce aux rencontres que j'y ai faites, c'est grâce aux échanges que j'ai eus dans le groupe de femmes, aux femmes qui sont devenues des amies que j'y ai rencontrées. Et je pense que du coup, se faire aider, c'est ça, c'est aussi un moyen d'appartenir à un cercle et avoir autour de soi des gens qui sont positifs, qui sont bienveillants, qui sont dans le mouvement. Qui ont des peurs et des doutes comme on peut tout en avoir à un moment, mais qui sont là pour nous dire « Mais non, attends, moi aussi, c'est pareil, voilà ce que je fais, essaye, ça marchera peut-être, etc. » Donc, c'est pas hésiter, parce que je crois que seul dans son coin, de toute façon, on réussit pas grand-chose dans la vie, on réussit souvent parce qu'on rencontre, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on échange, donc autant oser le faire, ne pas attendre pour le faire, en fait, voilà. Je crois qu'avec le recul, je l'aurais fait avant. Ouais. J'aurais peut-être pas attendu. Ouais. Est-ce que tu veux rajouter un mot de la fin? C'est pas obligatoire. Je te pose la question. Est-ce que tu souhaites rajouter un petit mot de la fin? À part te remercier, j'ai pas de mot de la fin particulier, mais je pense que tu sais ce que je pense de cet accompagnement et de ce que tu es aussi. Moi, j'ai beaucoup grandi. Donc, moi, j'ai juste envie de dire aux femmes qui regardent ce témoignage de ne pas hésiter à s'autoriser à grandir, à s'autoriser à être soi, parce que j'ai beaucoup grandi et que je vais continuer à grandir. Donc ce serait le mot de la fin. Voilà. D'accord. Moi, je veux vraiment te remercier, Stéphanie. Puis, je prends aussi l'occasion du témoignage parce que. On a vécu vraiment une belle aventure ensemble. Enfin, voilà, c'est aussi pour ça que je te dis que c'est une cliente idéale. C'est parce que c'est une vraie aventure humaine. Forcément, quand on travaille ensemble, il y a une forte connexion, une intimité, une confiance qui doit être là pour plonger dans ce qu'on a vraiment envie de réaliser. Déjà depuis quelques mois, finalement, tu fais aussi partie de mon équipe, oui. En plus d'avoir ta propre activité, parce que c'est comme tu le dis... C'est aussi une conviction que j'ai, on peut pas réussir seul. Et donc, et souvent quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'a pas forcément cette envie de travailler seul. Et du coup, moi, je sais que au fur et à mesure de notre notre avancement, de nos avancées dans l'accompagnement, l'envie a grandi de me dire tiens, j'aimerais bien faire quelque chose avec Stéphanie parce que justement, on a une énergie. Et de vraies richesses. Donc, depuis quelques mois déjà, du coup, tu es en charge du premier rendez-vous des séances gratuites. Donc, des femmes qui envisagent de passer à l'action aussi, donc de prendre un accompagnement avec moi. Et du coup, je suis ravie de partager cette aventure avec toi. Donc, parce que on s'apprécie beaucoup. Je pense que ça se sent. Donc, on va pas en rajouter plus. Mais en tous les cas, Stéphanie, merci beaucoup. On va mettre donc ton site expatriel sous le témoignage, comme ça toutes les femmes qui auront l'élan pourront directement aller cliquer dessous. Et écoute, je te souhaite de belles réussites et puis de toute façon je te dis à bientôt. Merci beaucoup Stéphanie. Merci beaucoup.